On fait ça à la Furious Jumper. Ok. Oh, attends, je fais... Hey, yop tout le monde, c'est le Bouzeux. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. J'espère que vous allez tous très bien. On continue cette petite aventure Minecraft ensemble. Comme vous le savez, on fait cette aventure en direct sur twitch.tv/lebouzeux. La chaîne est en description, ceux qui veulent suivre ça en direct. Au niveau des petits avancements du village del Bosito, de la Muerto, de la Canale Papelos, qu'est-ce qu'on a? Bah c'est très simple, j'ai toujours ma maison en forme de tiramisu, en forme de gâteau au caramel. Bizarre. Toujours le portail du Nether qui n'a servi à rien parce que je ne suis toujours pas allé dedans. Je regrette ce moment où je vais aller dedans parce que bah ça me fait peur. Ça me fait peur en plus quand je vois à chaque fois le chat qui me dit « Ouais, prends un lit, dors dedans, tout ça », alors que je sais très bien que... Voilà, j'ai peur que les gens me trollent et de faire des conneries monumentales. Sachant que je suis quand même niveau 28. Je suis mort qu'une fois dans cette aventure, qu'une seule fois, à cause d'un creeper. Les gars, voilà, je tiens à vous dire que je me sens quand même plutôt à l'aise. Je suis plutôt très content. Bref, je me suis fait un petit boubou. Je sais pas si vous l'aviez vu ou pas, mais je me suis fait un petit bouclier. Pourquoi? Parce que il m'a déjà sauvé la vie une fois à cause d'un creeper. Dès que je vais miner, tac, petit bouclier dans la main droite, tac, creeper, tac, tac, je le prends, hop, c'est bon. C'est carré dans le Banks. La petite pioche en diamant, toujours ici. Ah, des livres. Vous allez voir pourquoi j'ai fait un livre ici. Là, les gars, on commence à passer l'étape de la pierre. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer ce coffre. Vous allez vous dire, waouh, 64, 64, 30. J'ai plus de 150 fer. Donc là, je pense que clairement, l'étape des trucs en pierre, la pioche, la hache, le houx, la pelle, on s'en bat les couilles maintenant. On va pouvoir faire tout en fer. Ça, c'est plutôt cool. 41 d'or. Hier, j'ai quand même trouvé pas mal d'or. Quelques diams. Voilà, on est à 19. Je crois, hein, c'est le chat qui m'a dit ça, pour une panneau complète en diams, c'est 26 avec l'épée. Après, pour les enchantements, ça, on verra par la suite. On y est bientôt. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais aller miner du diams en boucle pour essayer d'en trouver le plus possible. Bon, ici, c'est toutes les ressources. D'ailleurs, il faudrait que je refasse un coffre parce que là, ça commence à être plein. Et ici, toute ma bouffe avec notamment du papier et un petit livre. Pourquoi les gars? C'est très simple. Regardez, regardez ce petit passage secret qui relie directement vers la toute nouveauté de mon village, de ma maison. Là, attention, 3, 2, 1. Taon, la salle d'enchantement les gars. Je m'applaudis. Ça va dans le chat ou pas? C'est méga beau, je trouve ça méga beau. J'ai mis, je pense, quelques dizaines, vingtaines, trentaines de minutes à faire cette petite salle, à tout comprendre. Parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué quand tu connais pas du tout. Parce que ça, dans Minecraft, j'en ai jamais fait, hein, de l'enchantement. C'est quand même assez compliqué à comprendre. Donc, petite table d'enchantement au milieu d'une pièce de 5 cases. Donc là, j'en ai mis un peu plus d'ailleurs. En gros, en fait, j'explique des choses à des gens qui connaissent déjà. C'est nul. Du coup, des bibliothèques derrière. Comme vous pouvez le voir, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Et en tout, je crois, il m'en faut 15 pour avoir l'enchantement niveau max. Sauf qu'une bibliothèque, les gars, c'est quand même assez compliqué à faire. Surtout quand t'es solo dans l'aventure. C'est pas super simple. C'est pas que c'est dur, mais c'est long. En fait, c'est long parce qu'il faut pas mal de cuir. Niveau canne à sucre, vous allez voir, je suis quand même pas mal, mais il faut pas mal de cuir. Et ça, c'est le souci. Donc voilà, nouveauté principale de ce petit village, la petite salle d'enchantement. Bah, les gars, les vaches, hein, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup moins. Je les ai un petit peu amenés à l'abattoir pour avoir pas mal de cuir, et du coup j'en ai un petit peu moins. Est-ce que là on peut leur... Oh oui, c'est nickel, allez-y, allez-y. Il me faut vachement de vaches, et dès qu'on en a plein, on va commencer à refaire du cuir. Mais là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment avoir mes 15 bibliothèques. Est-ce que ça sera possible? Je sais pas, mais il me faut mes 15 bibliothèques. Tac, ça c'est bon. Le poulailler, bon, le poulailler en vrai, je l'ai fait, mais il me sert pas à grand-chose. Si, peut-être récolter des œufs, mais bon, les œufs à chaque fois, je les relance. Peut-être qu'il servira par la suite, faire des nuggets KFC. ok, ici, on a mon petit champ de blé, toujours pareil. Hop, on va récolter ce qui est bon. Bon, les patates. Les patates, vous avez vu, ça a grandi. Hein. Les patates, l'objet le plus utile du jeu en termes de bouffe. Donc, on va essayer de se faire un gros champ. Est-ce que celle-là est récoltable? Oui, je crois. Ouais, on en a combien? 3. Donc, on va pouvoir mettre une là. Tac, on va replanter ça direct. Hop, le but, c'est d'en avoir le plus possible. Et ensuite, on commencera à récolter et les bouffer. Mais pour l'instant, j'en ai bouffé 0. Au niveau des cannes à sucre, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est bon, ça peut faire du papier en masse, là. Tac. J'aurais pu limite augmenter encore mon champ de canne à sucre, mais bon. Ok. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Il a une épée en or. Frappe-le. Ah oui, c'est un cochon. Méchant. Il m'a donné là. Il m'a même pas donné son épée. C'est tellement de la merde. Il vient du Nether. Ah ouais, il vient du Nether. D'ailleurs, l'épée, on va la terminer. J'aime pas quand il reste vraiment plus de vie et les garder. Je trouve ça nul. On va la terminer. Je peux la terminer en tapant de la terre ou pas, les gars? Ouais, c'est bon. Nickel. On va pouvoir tout simplement faire du papier. Hop, 39. 39 papiers, sachant que j'en ai déjà 36, ça c'est pas mal. On a des bons stacks de papier. C'est niveau cuir que je suis un peu just. Je crois qu'on peut refaire des bibliothèques là. Non, des livres. Ah ouais, non, on peut refaire des livres et après il faudra faire des bibliothèques. Ouais, c'est hyper long. 10 livres et ensuite les livres. Tac, tac, tac.
Tac, tac, tac. Bibliothèque. Eh, hey, j'ai retenu, les gars, j'ai retenu, hein. Eh, hey. Et là, on peut s'en faire combien? Dans combien de bibliothèques? On en a 3. On va pouvoir les placer, les gars. Comme ça? Oh putain, si, c'est bon. C'est bon, la gars, ça prend, là. Je sais pas après du tout comment ça marche. Je crois qu'il faut du lapis usu. Du lapis usu. Du lazipitu. Lapisula. Ils font un truc, quoi. Ils font un truc, et après, on pourra enchanter. Ils se mettent bien. Décore ton champ. Pas décorer mon champ, les gars. On fait des excursions, mais le problème, c'est que j'aurais bien aimé avoir un. Pour trouver des carottes, quoi. J'aurais bien aimé trouver des carottes. Au village. Au village, on va voir ce qu'ils ont. Ils peuvent pas planter des carottes d'un coup, eux. Ok, il fait déjà nuit, ça, c'est bon. Je vais prendre son blé. Non, mais là, je vais dormir ici. Et je vais pouvoir aller faire reproduire les animaux juste après. Ok. Putain, on peut tout leur piquer. C'est tellement rentable d'avoir fait ma maison à côté du village. C'est quoi ce bordel? Ils font quoi là? Ah, un golem, on peut pas faire un golem, les gars? C'est une secte, partout. Ouais, les gars, on va pas savoir. On va pas savoir, les gars. Le but, c'est ça aujourd'hui, hein. Maximum de bébés, hein. Ok, nickel. Allez, bim. Plus les moutons, ça sert à rien. J'aurais peut-être pas dû. Petite épée en fer, culé à la hache. Ah non, ça va aller. Pas abuser. Ok, c'est bon. Ah, ok, pour la fin, les gars, je peux parler de mon mumu. De mon âne. Mon âne qui attend d'être ramassé, en fait. Ta maison est claquée au sol. Ouais, mais on s'en fout d'avoir de la déco, en vrai. On se refera la maison par la suite, mais là, on s'en fout. Les gars, pour terminer cette vidéo, je crois que je vous ai pas parlé d'un petit truc. Je suis pas sûr, mais je crois. En vrai, vous allez peut-être me traiter de sadique. J'avoue que c'est pas très bien ce que je fais. Mais le souci, les gars, c'est que j'ai pas de carottes. J'ai pas de carottes, et qui dit pas de carottes dit, bah, tout simplement, je peux pas forcément l'amener dans mon petit village, quoi, dans mon chez-moi. Donc, je l'ai clairement bloqué. Vous allez voir, les gars, vous allez voir. C'est juste ici. Regardez, j'ai un petit âne qui est ici depuis très longtemps. Ça fait maintenant, je crois, 3 jours, hein. Je suis désolé, mon ref. Mais je vous promets, les gars, dès que j'ai des carottes, je l'emmène chez moi. Je lui fais un enclos Gucci. Comme dirait Nino, je m'habillerai tout en Gucci. Il a chié ça. Pareil, si j'ai une plaque, je le renomme. Je le renomme direct. Et je le renomme le nom, le pseudo, le prénom qui est le plus liké sous cette vidéo. Voilà, c'est dit. Ok, bon, bah les gars, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Là, le prochain objectif, les gars, c'est trouver du diams, des carottes, avoir un maximum de cuir pour finir les bibliothèques. Et puis après, on pourra s'attaquer au nether, les gars. Allez, des bisous tout le monde, passez une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, très important, activer la petite cloche, liker cette vidéo. Peace!